première vue, on pourrait croire à une petite charrette. En regardant d'un peu plus près, on s'aperçoit que ce cheval de trait a pour mission de nettoyer la ville. Nous sommes à Lambersart. Cette commune a choisi de tester pendant 6 semaines un nouveau mode de récupération de ses poubelles publiques. En remplaçant ces camions poubelles bruyants et polluants par ce camion poubelle écolo tiré par un cheval de trait. 2 fois par semaine, cet équidé a traversé la ville pour ramasser les poubelles publiques. Une opération qui a eu un grand succès auprès du grand public comme auprès des agents de la commune. C'est une super expérience. Les gens s'arrêtent, nous interrogent, ça va super bien. On n'est pas embêté avec la circulation des véhicules. Au contraire, les gens avec leurs véhicules, ils sont plus intensifs par rapport à un camion. Alors ramasser la poubelle avec un véhicule, c'est pas évident quand les gros axes viennent Dunkerque. Et avec un cheval, ça va mieux et on va plus vite. Ville propre et respectueuse de l'environnement, Lambersart a choisi un mode de transport séduisant pour le ramassage et le transport de ses déchets. Une expérience qui n'a que de bons côtés. Ça nous permet de tourner dans la ville, dans les endroits où il y a le plus de soit de malpropreté, soit de densité de déchets. Et donc d'avoir une ville propre en toutes circonstances, sans pollution et sans camions qui polluent. Et on le fait en dehors des heures de pointe pour ne pas gêner les personnes qui seraient dans les bouchons éventuels. Au vu du succès rencontré lors de cette expérimentation, il est fort probable que la ville de Lambersart reconduise ce projet l'année prochaine.